Je suis tellement stressé que j'ai l'impression que je vais vomir. Bon, quand faut y aller. Qu'est-ce que... Jack, je t'avais prévenu que si tu remettais les pieds ici, qu'est-ce je... Qu'est-ce Jack est revenu? Hein? Jack est revenu? Ah, ça me soulage. Papa, arrête. Je sais que j'ai merdé. Croyais pouvoir les empêcher de s'en prendre à notre ferme si je me joignais à eux. Je voulais faire de mal à personne. Je me fous de ce que tu croyais. Je t'ai dit et redit. Abraham, Francis Finch, ça suffit. Maman, je... Et toi, Jack? Si j'en entends encore un dire quoi que ce soit, je vous mets de corvée de patates pour toute l'année prochaine. Ça fait des années que j'assiste à vos prises de bec et que j'essaie d'arrondir les angles à votre place. Abraham, ton fils est un homme. Et si tu veux qu'il agisse en homme, arrête de le traiter comme un enfant. Jack, ton père et moi, on sait à quel point la vie peut être dangereuse dehors. On veut être sûr que tu es prêt, c'est tout. Voilà. Maintenant, si l'un de vous remet ça sur le tapis, ça va barder, je vous préviens. Elle a raison. Encore merci de m'avoir tiré de là. Excusez-moi. Encore merci de m'avoir tiré de là. Abraham. Elle a raison, j'ai été stupide. Je ne vous remercierai jamais assez. Tenez, les capsules comme convenu. Avec une prime pour avoir aidé mon gamin. Vous devriez garder cette épée. Ça aurait fait plaisir à mon grand-père de savoir qu'elle sert encore à sauver des vies. Il nous faut plus d'eau. Même une seule pompe supplémentaire nous aiderait bien.